Oh!
officiel qui passe là. Prenez Dieu pas trop dans le duel après. Prenez Dieu pas dans le duel là. Prenez Dieu pas trop dans le duel là. Prenez Dieu pas trop dans le duel là. Coca-Cola.
National là, c'est Chris Bonon qui prend le fait sous bord gauche. Est-ce qu'il a mis en force carrément? Lui mette en force trop. 0-0 entre les deux équipes. L'équipe nationale joue avec donc ses couleurs habituelles, bleu et rouge. Numéro en rouge, mais c'est tout de bleu net que l'équipe là y est. Ballon, on va le placer dans 5 mètres 50 là avec
gardien Kélon Baptiste. Goldman qui ballon, il prend le centre, non le bac à centre, il fait ou là de là. Attention, et ballon sorti en touche. Je suis gêné par les spectateurs. Gabriel Michel, la passe en retrait sous Toclo. Toclo encore sous Gabriel Michel. Gabriel Michel toujours. Il fait passe là dans le 3 pour Goldman. Goldman marqué par l'arrière central stopper qui mettait ce Melli. Arbitre l'a dit et touche pour l'équipe nationale. Gabriel Michel pour le faire touche là. Pour qui il quitte là pour Roosevelt Désir. Roosevelt qui a possibilité de jouer sous Gabriel Michel. Il fait sous Carlo Marcelin qui retourne en balle. Ballon pour Roosevelt Désir. Roosevelt va centrer. Lui centré. Balle longue au-delà du deuxième poteau. Déviation de Isaac. Goldman pas de cajouille. Ballon pour Toclo. À droite Toclo. Lui mettait la lettre toujours, il peut mettre la terre. Et Carlo Marcelin qui a difficulté pour le déjouer ballon. Hein. Et la balle sort en touche. La touche sera assurée par Crispo Dantelusma. Crispo Dantelusma sur Carlo Marcelin. Carlo Marcelin conservé. Carlo Marcelin toujours. La passe pour Joseph Eric Théodore. Eric Théodore baille Isaac Lee. Isaac pas capable de brancher pour Roosevelt Désir. Et ballon en sorti dans limite terrain. C'est donc en remise en jeu au 5 mètres. Nous jouons la 9e minute de jeu de la première mi-temps de ce match. La balle pour l'arrière latéral gauche, Andrew Monroe. Andrew Monroe pour ce ballon en avant. Et c'est pour Eric Théodore qui fait passe là pour Toclo. Toclo saute, il fait peut-être un retrait, mais peut-être là pas arrivé. Et c'est Ernst Lorenz qui est obligé de refouler le ballon. Et l'arrière central l'a fait peut-être là en retrait, le plus normalement du monde pour l'équipe Lee. Avec donc Kounia, le numéro 7, Claire Alexander qui fait passe là en retrait. Et Kounia, on passe en avant. Équipe nationale là avec Carlo Marcelin joué, mais se mêle. C'est donc on couvre en faveur de l'équipe nationale. Gabriel Michel sous Toclo, Antoine Sétilus. La balle pour Roosevelt Désir. Oui, lui joue Carlo Marcelin. Carlo joue avec Ernst Lorenz. Ernst Lorenz pousse le ballon en avant. Isaac Chauvet va réussir à jouer le ballon bien. Et la balle est jouée par Juan Joseph qui joue en retrait pour Anthony Modeste. Anthony Modeste, ils sont deux modestes de l'équipe de Grenade. La balle pour Crispo Dantelusma. Attention, Crispo. Non, Liwe Goldman. Goldman arrive sur ballon. Ballon terrain extrêmement rapide. Attention, la passe à retrait pour Roosevelt Désir vite. Roosevelt va le centrer. Lui centrer. Attention, Wilson essaie de fond de bien coller. Habite la siffle faute en faveur de l'équipe de Grenade. Merci. Et la balle est jouée par Anthony Modeste. Anthony Modeste fait longue balle en avant. Joseph Eric Théodore fait coup de tête là. Et joueur Gounade la joue ballon. Il crispe pour éviter le sorti. Carlo Marcelin pour ses ballons pour Wilson. Bon boule. Attention Wilson. Criblel. Oui Wilson. Elle fait goal là Wilson. Goal. Excellente phase de jeu. On passe de Carlo Marcelin pour Wilson Chevalier qui dribble Ariel qui t'a marqué là, lui mette le ballon en goal là, Jean-Claude Faux. C'est un exploit, un bel geste technique et nous dit que l'équipe haïtienne a dominé le match là jusqu'à la 13e minute. Notre Haïti, si continue de jouer comme ça, n'a pas qu'un pire goal. Alors, notre ami Junior Mitty qui est avec nous va nous faire ses commentaires. Comment vous avez là, Julio? Pepe, nous sommes capables de dire que Wilson Pierre sont qui ont vraiment une bonne maîtrise de balle. Parce que monsieur fait prendre ballon, monsieur intercepte le ballon, monsieur maîtrise le ballon, M.
monsieur fait contrôle là, monsieur voyait ballon côté pour le voir là et peut-être c'est encore hein, non. La balle est jouée à droite avec Anthony Modeste. Anthony Modeste prend une longue balle en avant. Faut que nous pas prendre goal dans match là. Nous rappeler tout le monde, faut que nous pas prendre goal dans match là. Un goal à l'extérieur compté double. Si Wilson Chevalier ouvre score là, sur un passe millimétré de Carlo Marcelin, Wilson a su faire le dribble qu'il fallait. Dribble nous songeait qu'il t'a fait déjà dans ma diaspora, même phase de jeu. Fois ça, il a retenu la leçon. Lui mettait ballon dans le coin poteau, gauche goal qui paye. Alors que première fois dans ma diaspora, il t'a frappé le sous-gardien. Longue balle de Carlo Marcelin. Bon boule. Oui, oui. Oui, Nedo. Oui, Gabriel Michel. Gabriel Michel toujours. L'ISC est centré. Ballon en sortie. Le coup, la remise en jeu au 5 m50. Bon boule. L'équipe nationale mène par 1-0. Le but a été marqué par Wilson Chevalier qui part ainsi à marquer sur le troisième but de sa, et de sa carrière de jeune footballeur. La balle à gauche pour Patrick Modeste, le capitaine. Ils sont deux Modestes dans l'équipe. Et la déviation de la tête de Ernesto Lorenz. La touche sera assurée par Ricky Charles. Un à 0 en faveur de l'équipe nationale. Ricky Charles quitte le ballon en sortie. La touche pour l'équipe nationale avec Roosevelt Désir. Roosevelt fait touche là. La poitrine de Goldman Pierre qui rate le contrôle là. Avec donc on touche que Ricky Charles va le faire. Ricky Fell en avant sur la poitrine de François avec Toclo qui va passer en avant pour Isaac Chauvet. Isaac contre le ballon en deux temps. Lico Serville, attention, contre la favorable. Carlo Marcelin qui a joué un match extraordinaire là. Libon, la passe à droite. Oui, oui, attention Roosevelt. Roosevelt balle bon, Roosevelt bon, Roosevelt bon, Roosevelt tiré. Roosevelt balle contrée et Carlo Marcelin prend le ballon. Non, et Walker, monsieur arrivé, je vais ballon quand même sur Walker. Extraordinaire match de Carlo Marcelin à la passe de Roosevelt Désir. Cap joue bon match football. Roosevelt Désir, dribblé, faute habite là. Et coup franc en faveur de l'équipe nationale. Avec Roosevelt Désir. Roosevelt Désir qui prend le fait lui. Attention, lui quitte pour qui est-ce. Roosevelt quitte pour Eric. Nous pas, n'a pas un contre un là. Bagay ça pas bon. Oui, Florence Lorenz fait back. Avec donc Eric Joseph Théodore. Eric Joseph Théodore pour le balancer. Il balance le goalkeeper après lui. Le goalkeeper directement. Le goalkeeper. Vous voulez parler de Kélon Baptiste. Le dégagement est fait avec Eric Joseph Théodore. À droite pour Roosevelt Désir. Mettez ballon à terre, Roosevelt. Mettez la terre. Oui, attention. Gabriel Paty. Est-ce qu'on va pour Gabriel? Bon souli. Et Tariq Walker met le ballon en touche. La touche en faveur de l'équipe grenadienne. La touche sera assurée par Gabriel Michel. Et dégagement de l'arrière. Oula, bon boule. Carlo Marcelin pour Christophe Lotelusma. Demande de 1-2. Et joueur à barrer Christophe Nord. Habite là, quitte, je vais te la jouer. Attention, la balle est jouée en avant. Et dégagement de la tête de Antoine Sétilus. Les deux attaquants de l'équipe. Et Juan Joseph, numéro 20. Et Jason François sont pris en charge respectivement par Antoine Sétilus et Enzo Lorenz, les deux arrières stoppeurs de l'équipe, arrière central stoppeur de l'équipe nationale. La balle sera jouée par Anthony Modeste. Anthony Modeste fait touche là. Attention, ballon sorti en corner. Corner de la droite vers la gauche en faveur de l'équipe grenadienne. Un à 0, but de Wilson Chevalier. Corner tiré, qui sera tiré par Tariq Walker. Il est mal shooté. Et Eric obligé de mettre le ballon au corner. C'est normal.
Son terrain difficile, pas oublier lui. Eric obligé de mettre le ballon en corner à nouveau. Parce que n'importe vieille déviation, ballon à terre, ballon a frappé dans en main. Et la balle sera tirée à nouveau. Walker, même Jean encore, et ballon en sortie. Le 16 manqué frappé, et la balle sera placée au 5m50. Équipe grenadienne a joué dans un 4-4-2 classique avec Jason François, numéro 8, en pointe. Avec et Juan Joseph numéro 20. Yo gagné, attention, mauvais dégagement. Carlo Mastin joue ballon. La tête pour Gabriel Michel qui devient et pour Ousel Désir. Ousel Désir, Carlo Mastin. Carlo Mastin joue avec Enzo Lorenz. Enzo Lorenz, une possibilité pour Wilson. Oui, Wilson raté lui. Oh là, pas ça, pas Edouard raté là. Et la balle est jouée par Franklin Baptiste. Franklin Baptiste en avant et anticipation de Enzo Lorenz. Et la balle sort en touche. La touche pour l'équipe. Pour l'équipe grenadienne. La touche est assurée. Libat Enzo, Libat et Eric Tou, Toklo pour sauter et Roosevelt désire pour le dégager. Il fait passe là, mais passe là pas rentrer et la balle sort en touche. La touche en faveur de l'équipe grenadienne avec Ricky Charles. Monsieur Raté contrôle l'IA, c'est Jason François et la touche en faveur de l'équipe haïtienne. Carlo Marcelin, bien dévié pour Gabriel Michel. Attention, Gabriel Michel a valé terrain. Il valait terrain toujours. Et qu'est-ce que ça a fait? La passe pour Wilson qui essaie de dévier. Et balle dégagée avec maintenant pour Carlo Marcelin. Carlo Marcelin, lui joue une toi. Il n'y a pas hors-jeu. Habite finalement. Chip, le jeu de ligne, signalé hors-jeu. Alors qu'il eût été, à mon sens, plus aisé, plus facile pour Carlo. T'es sorti ballon à droite sur Roosevelt. Désir. Balle dégagée. Chris Lotelus n'a pas réussi à faire coup de tête là. Il n'est pas fort de la tête. Mais la patrie est en danger. Il perd du duel aérien là. La balle pour l'équipe grenadienne. Avec donc Chris Ben. Balle en retrait. Patrick Modeste. L'équipe bon côté. Claire Alexander. Il joue avec Claire Alexander. Joué en avant pour Ricky Charles. Avec Terry Walker. À nous maintenant. Terry Walker qui combat musculaire extraordinaire. Même physique. Avec un homme d'Agabdou. On right card. La balle pour l'équipe grenadienne. Il est arrivé à conserver le ballon. Bon dribble sous Crispo Dantelusma. Monsieur, tu as une possibilité pour le passe là. Notre trou à droite. Il n'est pas fait. Voilà le grand danger là. La passe à droite. La passe à gauche sous défense noire. Danger pour l'équipe haïtienne. Bien joué, Enzo Lorenz. Enzo Lorenz pour ce ballon. Pour la poitrine 2. Et Gabriel Michel qui sortit le ballon immédiatement. Pour jouer les équipes cassées. Oui, il faut casser le même. La passe pour Goldman Pierre. Goldman Pierre à gauche. Légionnaire Isaac, bien joué aussi. La passe pour Ousvel Désir. Ousvel Désir. Ousvel. Et dribble réussi. Le dribble n'a pas réussi. Puisque Ariel a entré en dedans Ousvel. Il mettait le ballon en touche. Il mettait masse musculaire sur Ousvel. Et Ousvelt rété à terre. Et qu'est-ce qu'on va faire? Il faudra que les médecins de l'équipe nationale montent sur le terrain. Et Napton, docteur Jean-Marie Fritz Henry et son physiothérapeute, son masseur. N'oubliez pas les de Edouard Jean-Baptiste. Coup et coup touche en faveur de l'équipe nationale d'Haïti. Ce serait un coup dur pour nous que Ousvel Désir ne puisse continuer le match. Il joue un très bon match jusqu'à présent et il arrive à bien conserver le ballon et en compagnie de Gabriel Michel sur l'aile droite. Les deux soigneurs de l'équipe se préparent donc à venir soigner notre joueur. Gabriel Michel met le ballon à terre, il fait Saint-Lan et ballon frappé dans le corps. Ricky Charles et il sortit en corner. Corner de la droite vers la gauche.
Chris Polotelis va pouvoir faire corner là. Il va le balayer en trajectoire rentrante. Public n'a pas fait bruit assez. Public n'a pas relé assez dans tête joueur. Son public qui vient regarder match en tant que connaisseur, mais il va venir regarder match en tant que monde qui vient supporter l'équipe. Li. Tant qu'on t'a dit là, et oui, vous allez devoir entrer. Et nèg yo sorti au 3 à l'aise souterrain. Pas gagné et vraiment un support permanent pour l'équipe nationale là. Mais en plus, pas gagné une nuisance contre l'autre équipe là. Nous avons un public qui est trop gentil. Nous avons un public qui est trop connaisseur. Parce que vous venez regarder le match là, il a contrôlé est-ce qu'un tel a joué bien, est-ce qu'un tel va jouer bien. Un bon public, c'est un bon public. Connaisseur, c'est après le match pour le connaisseur. Parce que c'est supporter pour supporter l'équipe. Et puis surtout, nuit l'autre équipe là, fait bruit, relan mouey. Vous êtes prêts à mettre deux pieds là. Oh, il mettait en intérieur de préférence. Parce qu'il sentit que il n'est pas trop à l'aise. Alors, Jean-Claude Fonrose, so ouais. Jusqu'à maintenant, moi que l'équipe haïtienne joue très bien. Les dominés jouent là. L'équipe de Nadal, équipe qui est très moyenne, cap mise seulement, joue en défensif premièrement, et sous quelques longues balles. Donc il faut que notre prudent continue à jouer même genre, foncer sous eux, presser eux, parce qu'ils sentent qu'ils ont un défensif très fragile. Donc sinon, jouer de la même façon, nous sommes sur la leçon de Jodia, lui venir pour jouer match là, presque à lui-même seul dans le terrain. On fait jam là, Roosevelt désir et ballon en sortie en touche. Et heureusement pour l'équipe nationale. Et c'est donc on remise en touche pour Roosevelt désir. Roosevelt désir pour Eric Joseph Théodore. Eric Kevin ballon. Eric pour le balancer. Il est obligé de faire longue balle là. Écoutez les portants. La deux poitrines. Poitrine 2. Roosevelt, poitrine 2 et Goldman. Et poitrine de Ticana. La passe de Roosevelt. Balle aérienne. Très bien joué Toklo. Toklo frappe le pied, monsieur, même pour le capable de jouer une touche là. Très intelligent de la part de Toklo. Et la touche sera assurée par Roosevelt Désir. Roosevelt Désir. La passe pour Goldman Pierre. Goldman conservé. Goldman essaye de passer. Tchapoua Papran avec maintenant Tariq Walker. Tariq Walker, vraiment en masse musculaire extraordinaire. Et passe hasardeuse. Mais libre quand même. Gabriel Michel essaye de faire contre là. Et Ben conservé. 2 contre 1 là, monsieur. 2 contre 1 là. Et libre sous nous, non. 3 contre 1. La passe, la frappe est sortie. Et la touche en faveur de l'équipe haïtienne. La balle pour Goldman Pierre qui est arrivé, fait bataille musculaire là, bataille athlétique là avec Monsieur Yo. La balle en avant de Carlo Marcelin, le dégagement de la tête avec Crispolo Telusma. Duel aérien est difficile pour nous. À poitrine de Ernst Lorenz qui sortit ballon en mal. Et Chris et Isaac arrivé sur Aria. Aria dégagé à qui mieux. Et c'est modeste. Carlo Marcelin joue ballon avec Chemelli de la tête. Il joue sur Gabriel Michel Cap dribblé. Non le fait pas cela pour Goldman. Goldman pas réussi sorti ballon et la balle sera dégagée avec par l'équipe grenadienne et avec entre Cetilus qui quitte ballon en sortie avec Cetilus qui va le faire touche là. Cetilus fait touche là pour et Joseph Théodore. Joseph Théodore sur Cetilus. Cetilus. Cetilus en avant. Mais ballon dégagé avec donc l'équipe nationale pour l'équipe nationale Roosevelt Désir. Gabriel Michel, Roosevelt Désir en avant, Goldman sauté avec Modeste et l'arrière central stopper. Balle pour Eric Joseph Théodore qui balance le ballon. Moi, je crois qu'il faut l'équipe la reprendre confiance. Équipe la 3, trop résigné. Attention, Goldman fait centre là. Isaac, Isaac, notre duel avec Ariaya et Roosevelt Désir. Et Ricky Charles prend ballon sur Roosevelt. Attention, Ricky balancé. Pied, Enzo frappé dans pied. L'autre joueur, Eric Joseph Théodore fait fly là. Carlo Marcelin, bien joué. La passe à droite pour Roosevelt Désir. La déviation pour Gabriel Michel. La tête pour Roosevelt Désir. Gabriel Michel en avant pour Roosevelt Désir. Et un dégagement qui porte le ballon. On passe en retrait. Attention, gardien obligé de dégager. Et la touche pour l'équipe nationale. La touche pour Carlo Marcelin.
pour Carlo Masnevit. La touche pour Eric Joseph Théodore. Eric Joseph Théodore avec en avant. Non, pas qu'il est en jeu. Pas qu'il est en jeu. Pas qu'il est en jeu. Pas qu'il est en jeu, Isaac. Oui, rivez sous lui, rivez sous lui. Ah, Isaac comprend que l'enjeu. Julio Midi, sans ouais. On peut même bosser le capable de maturer pour nous faire une lecture technique du match. Mais toutes conditions réunies pour Haïti a gagné un match. Mais il y a un avantage que l'équipe a gagné n'est pas exploité. A remarqué à chaque fois que Grenade a une chance pour exploiter le ballon aérien, mais même la corner, on a retrouvé ce ballon à ras le sol qui vous désavantage plus. Ça va permettre que nous évaluer l'équipe haïtienne le ballon aérien. Et pense que c'est la faiblesse majeure. Merci et excellent commentaire. Et Gabriel Michel Paris réussi pour le ballon. Intervention de Carlo Marcelin qui ratisse un nombre incalculable de balles. Nous avons joué un match extraordinaire là. Crispo a raté contrôle là. Attention, le coup de tête raté de Marcelin à nouveau. Lico Seville, Lippe d'huile. Et Gonatier reprend le ballon. Marcelin Paris reprend. Attention, la balle pour Walker qui sortit à droite. Crispo n'a pas été arrivé. Et intervention de Enzo Lorenz qui met le ballon en corner. Le corner sera tiré de la droite vers la gauche par Ricky Charles. Ricky Charles qui prend le shooter corner pour l'équipe Grenade là. Goldman a marqué l'équipe Iowa. C'est Tariq Walker. La balle est soulevée. Danger goal. Non. Le 16 petit sur sa ligne. Vous savez qu'il est roi. Le 16 petit. Extraordinaire détente. Extraordinaire réflexe de le 16 petit. Mais extraordinaire réflexe. Arrêt réflexe de le 16 petit. Corner tiré à mi-hauteur. Dégagement de Wilson Chevalier. C'est un mieux ballon sorti plus ou moins loin. Isaac Chauvet. Isaac Chauvet raté passe là. Attention, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Et la balle pour Eric Joseph Théodore. Théodore balance le ballon en avant. Attention, la 30e minute de jeu. La déviation ne réussit pas. Et la balle est jouée par Andrew Monroe. Tariq et Walker, il fait passe là à gauche. Attention, c'est Jason qui contrôle le ballon. Hein, pressuré par Roosevelt Désir. La balle sort en touche. Je pense que l'équipe Nouan, t'as gain intérêt et prend confiance. Roule le ballon. Hein, c'est évident que, qu'ils ont un peu peur. C'est ça, la, ce qu'on appelle. Voilà. Oui, Gabriel Mkono Kadrilil. La passe dans le trou. Wilson bon. Wilson balle bon. Wilson bon. Wilson bon. Voilà. Voilà. Goalkeeper est arrivé. Ils sont très frustrés techniquement, les Grenadiens. Mais on t'a dit, son bataille technique contre physique en fait là. Le dribble à deux touches de Gabriel Michel. Et la passe dans le trou pour Wilson Chevalier. Wilson pas soulevé ballon assez. Il aurait pu marquer le deuxième but avec faute technique que Harry a fait. Il est arrivé hérité de ballon. Et dommage de la manière dont on a marché. 1 à 0 en faveur de l'équipe nationale. Oui, c'est Kouniam Gouven public là. C'est ça qui public. Faut que nous chantions, faut que nous fassions bruit. Le football, le plus au football. Ballon arrivé dans le deuxième poteau. Gabriel Michel sauté. Mais coup de tête là, pas car le goal là. Moi, je crois que Chris Bonor soulevé ballon en 3 hauts. Il faut que lui fasse le plus bas. Laisse ça que attaquant nous, qui quand même plus coûte que Gonadien, est capable de chance à jouer ballon. Passe en avant et Joseph Théodore et raté tête là
Enzo fait dégager Ousmane Désiré sur ballon, il essayait casser alors que le temps difficile pour lui, la balle pour Crispino Telusma. Crispino fait passe là, ballon pour Carlo Marcelin. Carlo pas de se faire dribble là, pas de dribble du tout là, avec maintenant Jason qui fait passer en avant pour Krikichal, le dégagement de la tête de Désir, la balle pour Marcelin. Non, Enzo, ça Enzo a fait là, il n'y a pas de raison pour la craser là. Jouer football technique avec l'équipe là. Pas de danger, monsieur, quand je joue pour le mourir ballon, hein, pour le faire passer là normalement. Le portier qui va dégager. Portier a dégagé avec Jason maintenant et main de Gabriel Michel. La balle pour Terry Walker. Bien joué Toclo. Non, habite là, ça va pas foutre habite là. Couffrant en faveur de l'équipe grenadienne. Match éliminatoire de Coupe du Monde. Haïti-Grenade. Première sortie haïtienne en éliminatoire de la Coupe du Monde de football 1998. Et Joseph Théodore quitte le ballon en sortie. La balle sera placée au 5 mètres 50 par le 16 petit qui vient de réaliser un arrêt réflexe dont lui seul a le secret. Le 16 petit pour le dégager. 5 mètres 50 là. Mauvais dégagement, c'est une faiblesse li avec maintenant avec Joseph Théodore qui prend la possibilité pour jouer avec Crispo Nord. Oui, Crispo Nord plutôt jouer passe là long en avant, le dégagement de la tête Wilson sous Crispo Nord encore. Bien joué Carlo Bokoto là, il fait le long plutôt, la passe de Batli. Attention et Goldman Paget arrivé, équilibre difficile, retenu, pas passé devant. Oui, prends le Dounia. Toclo, monsieur Bossu Toclo, la passe dans l'angle mort, ballon sorti. Non, et là où tu as mesuré Terrien matin, et Terrien est 70 mètres de largeur, et commissaire là, t'es exigé à ce que tu aies gagné mesure que tu prévois pour match Coupe du Mondial, c'est-à-dire 68 mètres de largeur et 105 mètres de longueur. La déviation de Isaac, Ariel a fait fly là, non le Bafel, alors que Goldman était sous ballon. Et Gabi Sétilus fait dégagement avec Chrisley. Attention, Gabriel Michel en retrait pour Ousmane Désiré, Carlo Marcelin. Sort-il? Oui, Carlo. Et dommage, Ariane était sur ballon. Hein. Attention, la balle de Gabriel Michel. Ousmane Désiré pour Isaac. Isaac et Gabriel Michel. C'est la balle bon. Oui, Goldman, Maoul, oui, Goldman, bon. Combinaison en triangle de Roosevelt Désir, Isaac Chauvet, Gabriel Michel, le centre pour la deuxième vague et Goldman Pierre qui a écrasé la balle au deuxième poteau. Julio Mit. Voilà qu'on va parler de goal ça à peu près sans pas mentionner classe Tigana dans le goal là. Parce que Tigana font travail qui est allé toute classe dans le goal là. Et Goldman qui joue un ballon en l'an point pour faire là et qui marque le deuxième goal là. Mais il y a un bagage qui est important moi-même, Pépé. Je pense que ce goal est important pour Haïti en pile. Il est important parce que depuis que je suis en Haïti, je suis capable de dire que Goldman c'est un attaquant qui est le plus critiqué. Je souhaite que Goldman vienne un but libérateur pour Goldman et définitivement la sélection pour bénéficier de cette libération. Parce que ça tout, Goldman a été vertement critiqué. Peut-être de façon exagérée, monsieur Prévo Vachila, lui marqué un goal important pour l'équipe là. Attention, il n'y a pas hors-jeu. Et on se le reste fait être là. Chris Monon pas réussi et éviter Ariel à jouer ballon 1. Ballon sorti en touche. La touche pour l'équipe nationale.
la touche pour l'équipe nationale à gauche avec Crispin Otelusma. Crispin Otelusma a gagné Carlo Masnevo côté. Il fait touche là en avant de préférence. Le fait play là. La déviation de la poitrine. En avant pour Roosevelt et pour Goldman Pierre. Goldman conservé. La passe en retrait pour Crispin O. Crispin O, Carlo Masnevo. Carlo Masnevo et Joseph Théodore. Attention, Libon. Roosevelt désir. Roosevelt désir. Attention, Gabriel Michel. Oui, attention, le centre. La reprise, dégagement de la défense de l'équipe grenadienne. Le dégagement à nouveau. Gabriel Michel sauté de la tête. Dégagement de la défense. Attention, la balle est jouée par Carlo Mastner. Attention, balle pour Enzo Lorenz. Enzo Lorenz, Wilson Chevalier, troisième goal, non. Oui, chapeau à, non. Le dégagement, la balle maintenant pour Goldman. Goldman, mettez de pied à. Dommage, ballon passé tête corps. Oui, il ouvre la confiance effectivement. Et le public qui chante, Je vais demander pour le public là, manifester, pour n'avoir peur pour gratter un bateau BFM là. La balle est jouée par l'équipe grenadienne avec Ben. Ben perd du ballon. Ballon sorti en touche. Et c'est donc l'équipe haïtienne qui va procéder à la reprise du jeu sur remise en touche avec Joseph Théodore. Théodore conservé. Il faut une longue balle. Personne pour jouer la balle. Attention. Et la balle est jouée par Carlo Mastek qui perd du duel là. Dégagement de Eric Joseph Théodore. Et en avant. Et modeste. Oh, Andrew Monroe obligé de mettre le ballon en touche. La touche en faveur de l'équipe nationale. Crispin Otelusma va le faire touche. Fait touche là pour Carlo Marcelin. Carlo Marcelin, oui, Gabriel Michel, non. Mauvaise passe de Carlo Marcelin. Et la balle est jouée par Jason. Jason François avec maintenant Ben. Ben en avant. Toclo, fais passe là, tonton. Non, Kounia sorti. Mettez le touche. Oui, voilà, la touche en faveur de l'équipe grenadienne. Et la touche pour l'équipe grenadienne sur la droite de l'attaque grenadienne, évidemment sur notre gauche, et côté Télusma avec Chevalier 1, avec donc Andrew Monroe qui prend le fait. Danger pour l'équipe haïtienne. Danger. Ballon Mendes. Et touche pour l'équipe grenadienne avec Ricky Charles. Ricky Charles fait passe là en avant pour Ron et Joseph. Attention, Carlo Mastin écrasé avec Wilson Chevalier. La déviation pour et Isaac Chauvet. Isaac Chauvet pour la dribble elle-même. C'est pour dribble elle. Touche en faveur de l'équipe haïtienne. Gabriel Michel Paris veut passer. Et la touche de la droite vers la gauche. Avec Roosevelt Désir et pour et Chevalier et Désir en retrait pour Marcelin. Marcelin, ouais, et Eric à gauche. Oui, Chris Monor, parlez. Il fait passer en avant. Il n'y a pas hors-jeu. Le dégagement de la tête de Modeste. Et balle pour Joseph Théodore. Il quitte et Grenadier joue ballon. Marcelin dégagé. Attention, Goldman, la déviation. Isaac Chauvet va arriver. Isaac arrivé. Il va passer en retrait. Bien joué. Le centre s'arrêtait, Chris Monor. Il y a plein de douze, ça, Chris Monor. Et non, à l'entraînement, il y a plein d'éthiques pour ça. Centré sans arrêter. Et l'IPA, et faire centre sans arrêter. Hein, et dans le contrôle là, et Grenadier qui est arrivé. Et contre là, mettez ballon en corner. Dégagement au 5 mètres 50.
le portier grenadien qui s'apprête à dégager. Gabriel Michel fait faute là en l'air. Capitaine dégagé. Chris Volonté-Lusma. Bien joué. Il joue avec Isaac Chauvet. Isaac Ate. Il joue sur Chris Monor. Et Isaac était capable de jouer en amitié terrain avant qu'il était allé sur Chris Monor là. Faut que nous moins impatients. Et la balle pour Jason. Et Gabriel Michel Théo marquage. Carlo Mancelin. Bien joué. Il ratisse un nombre calculable de balles. La passe pour Gabriel Michel. Qui va l'avancer. Attention. La balle avance toujours. La balle pour Isaac Chauvet, bien joué, calmez jouette là, voilà, il faut faire ça aussi. La balle pour Eric Joseph Théodore, équipe l'a cassé. La balle pour Wilson Désir qui fait une 2-1 alors que Gabriel Michel était capable de conserver le ballon. Hein. Une 2-1 pas nécessaire là, il était qu'à conserver. Il c'est dommage et la balle sera jouée au 5m50. Il reste 2 minutes à jouer avec Goldman Pierre qui fait un travail de sape au niveau de l'attaque haïtienne qui empêchait au fait et dégagement, qui empêchait au sorti avec maintenant Patrick Modeste qui ouvrait à droite et à gauche. Lui fait faute maintenant sous Lorenz, habite la baille, son habit américain, habite la baille couffrant en faveur de l'équipe grenadienne. Faut que nous ne prenions pas goal dans le match là. Pour ne pas oublier, si le match a fini 2-1. Par exemple, et que Yota bat nous à Grenade, Saint-Georges, 1-0, yo qualifié sous nous. Goal à l'extérieur, compte double. Ricky Charles, pral fait pral balancer ballon pour l'équipe grenadienne. Le 16 petit est sur sa ligne. Côté Goldman, faut Goldman, pas besoin d'un mur, un ballon a passé quand même. C'est le 16 mètres là pour Goldman, yeah! Goldman, c'est seul monde 1m85 que nous gagnons là. Goldman, c'est dans 16 mètres là pour l'aller. C'est dommage, il n'y a pas qu'à attendre moi. C'est Goldman pour qu'il se retourne dans 16 mètres là. Goldman pour qu'il retourne dans 16 mètres là, pour qu'il fait défense tête là, défense aérienne yo. Ricky Charles pour le balancer. Moi manque Mounro, dégagement de Saint-Illus en touche. Très bien joué par Gabi Saint-Illus. Haïtienne et mi-temps fini. Voilà, c'est fait 2-0 en faveur de l'équipe nationale. La deuxième mi-temps du match, la passe à gauche. Avec Tariq Walker, ballon sorti en touche. Est-ce que Tariq Walker peut jouer ailier gauche carrément sous Ousvel Désir? Enzo Lorenz réussit et dégagé et la balle à gauche pour Chris. Et ballon conservé avec Tariq Walker. Tariq Walker fait passe là dans l'angle mort. Pas de bus. On fait anticipation là. Saint ballon manès. La balle à gauche pour Chris Monor Télusma. Chris Monor en avant pour Wilson Chevalier. Il y a faute habite là. Oui, Wilson relé pour ça même. Et très bien. Coup franc en faveur de l'équipe nationale.
Simon Ortelus Massio, le coffrant, lui pral balancer le devant pour Wilson Chevalier qui bien et barré ballon, barré adversaire là. Attention, c'est pied droit Chris Monor et c'est un ballon qui était en pile effet. Gabriel Michel pas réussi, mettez de pied à Jean Tarlé fait là. Il y a un changement dans l'équipe grenadienne. Gen Andrew rentré dans la place Ben. Koufran contre Haïti. Modeste, Marcelin raté ballon, le pas de arrivé. Tire, tête quand. Merci l'éternel. Remise en jeu au 5 mètres 50. Dégagement en tête de la tête en touche de Roosevelt Désir. Saint-Illus dégagé en avant et le coup de tête de Franklin Baptiste en touche. La passe pour Gabriel Michel, la position idéale liant. Attention, la passe dans le trou pour Wilson Chevalier. Wilson en retrait. Intervention de l'équipe grenadienne. Ballon en sortie à gauche. Et dribble sous, tentative de dribble sous Ousel Désir de Tariq Walker. Ousel Désir pressuré. Masse musculaire liée à Pédel. Habite là-bas au foot. Habite là-bas ballon cadeau, effectivement, dans le match. Et le coup franc en faveur de l'équipe grenadienne. Premier changement tactique qui fait là, nous avons Tariq Walker sorti pratiquement comme ailier gauche. Roosevelt Désir à Makeli, c'est ça capable de gêner nous, notre dispositif tactique noir, parce que normalement au départ, lorsque arrière tel nous yoke ballon, il n'y a pas supposé gagner moun sou yo. Et nous ouais tout, Patrick Modeste, qui numéro Anthony Modeste, numéro 11 là, nous ouais que Ligue 1 en principe sous Chris Bonnot et Lusma. De sorte que nous capables de croire que monsieur et Grenadio, bande de touche Grenade là, ouais, qui ça, équipe haïtienne a fait, il a transformé équipe Yoa dans un 4-3-3. Bien joué, et Gabi Sétilus. La balle, oui, il y avait un jeu. Il y avait un jeu. Isaac en jeu. Hors jeu en faveur de l'équipe. En faveur de l'équipe grenadienne. La balle en avant, la tentative de déviation. Carlo Marcelin arrive et fait tête là. Attention, il perd du duel là devant Andrew. Dégagement de Eric-Joseph Théodore. La déviation de Isaac qui réussit de trois belles déviations comme ça de la tête. Et il raté balle ça. Et passe à droite sur Anthony Modeste qui bien mouri ballonni. Christian duel avec Chris Monor. Il bon sur Chris Monor. Il centré. Attention, reprise. Ballon va passer tête quand. Oui, mise en jeu au 5 mètres 50. Modification en clair dans l'équipe Grenade là. Il a joué en 4-3-3 pour dans la deuxième mi-temps. Et mi-temps terrain, en principe, t'as doué. Attention, danger, le tir, ballon passé à côté. Ouais, il a joué en 4-3-3 actuellement. Non, monsieur, pas bon dégagement. Nous sommes tous les chats dégagés.
le dégagement de l'ECS Petit n'est pas bien réussi. Le Tariq Walker met le ballon en touche. Goldman Pierre fait passe sous Gabriel Michel. Attention, danger pour Grenade. Non, on troll, on contrôle. Et la balle pour Goldman. Contre la favorable à Goldman. Roosevelt Désir. Roosevelt en avant. Isaac prend sous ballon. Goalkeeper qui est arrivé. 2-0 en faveur de l'équipe nationale. Nous jouons la sixième minute de jeu. Carlo Marcelin et Paget arrivé dans le pressing. Attention, danger pour l'équipe nationale. Avec Eric-Joseph Théodore. Attention. Juan Joseph sous ballon. Et oh là là, coup franc, pas nécessaire. Et Eric fait faute. Habite là-bas coup franc contre l'équipe nationale. Le coup franc sera tiré de la droite vers la gauche. Ricky Charles fait avec pied droit lui, dégagement de la tête de Toklo Saint-Il, de Goldman Pierre. Ballon pour Isaac Chauvet. 2 contre 3. Et ballon sorti en touche. C'est normal, ça le fait. Hein? T'es manqué moun. La touche pour l'équipe nationale d'Haïti avec Gabriel Michel pour Saint-Ilus en avant. Le dégagement de la tête de la défense grenadienne. Eric Joseph Théodore, bien joué. Et calmez jouette là. Pas impatient. Oui. Et fais pas ça en retrait. Fais pas ça en retrait. En retrait. Nous pressés. Pour qui ça? Équipe là, peu trop. Ils n'ont pas gagné confiance assez. C'est évident que l'anticipation de Crispo Normel n'est pas arrivée contre le ballon. Hein. Il n'est pas entré sur le terrain, la préfère lui. Gen Andrew fait touche là, le long de la ligne, avec Enzo Lorenz qui fait tête là, et Modeste qui fait terrain, marqué par Carlo Marcelin, il fait passe là pour Frély peut-être, en tout cas l'autre Modeste là, déviation de la tête, et la balle pour Goldman Pierre qui était retourné, Goldman fait chapeau, et il conserve sa balle, Goldman, il fait une longue balle en avant, pour Isaac Chauvet, attention, Isaac Capabon, non, arrière a dégagé. Roosevelt désire pour le centrer. Roosevelt centré. Deuxième poteau à ballon Manès. Eric Net. Eric mettait en touche avec ce Melli. Et ça t'a presque en coup franc là. En tout cas, c'est une touche en faveur de l'équipe grenadienne. 2-0 en faveur d'Haïti. Ce n'est pas encore le score idéal. Il en faudrait 3. La touche sera assurée par Gen Andrew qui est entré en place maintenant. Longue touche à la Trinidadienne. Nous sommes misère qui nous était passé dans le ballon Sayo en 1973 contre Trinidad avec Phillips. Le dégagement de Wilson Chevalier, défense de Grenade la joue ballon 1, Chris Bonor sous Eric Théodore, à terre, Chris Bonor, oui, la passe pour qui, lui dribblé, et la passe pour Théodore, Théodore conservé, c'est ça pour jouer, la passe en avant pour Goldman, et arrière, il n'y a pas quitté ballon en passé, Roosevelt Désir qui était là le touche, bien joué, c'est donc Franklin Baptiste qui dégage ballon en touche.
Oui, et Goldman au duel. Oui, mais côté les mais votre important. Mais conservez le touche Goldman. Où fait cette la trois bonheur Goldman. Où fait cette la trois bonheur. Où t'es guetté rien devant petit garçon. La balle est dégagée par l'équipe grenadienne. Balle là, attention, balle pour Chris Boulon, Télusma. Mettez ballon à terre, Chris Boulon. Mettez ballon à terre. La déviation de Isaac Chauvet. Wilson Chevalier. Wilson Chevalier. Wilson Chevalier. Oui, Nico Seville. Chris Boulon, Télusma. Soukalo Maslin. Soukalo Maslin. Il n'y a pas jamais gardé axe terrain. Il n'y a pas jamais gardé axe terrain. Ballon a sorti la touche pour l'équipe nationale. La touche pour l'équipe nationale. Moi, je crois que fort équipe là prend confiance. Et devant une équipe qui est aussi frousse techniquement que l'équipe Grenade là, nous avons intérêt à jouer ballon. Et parce que, en fait, moi, je remarque même que nous avons meilleures conditions physiques que eux. La déviation de la tête de Tigana. Attention, le but en L de Bijon de Isaac Chauvet. Et la balle est jouée par Jason et pour l'équipe. Grenadienne, balle jouée par Enzo Lorenz, Tigana en 3 pour Goldman Pierre, Goldman Pierre est arrivé, Isaac raté pour Goldman, et troisième goal là, ça doit arriver, et la balle sera jouée sur une remise de touche à partir de l'intervention de la défense grenadienne. La balle pour Gabriel Michel. Gabriel Michel, il fait passer en retrait. Et pour Roosevelt Désir qui dribble. Roosevelt, attention. Chevalier centré. Goal, goal, goal. Troisième goal. Mais bah, Goldman Pierre. Goldman Pierre. Sur un centre acrobatique de Wilson Chevalier. Goldman Pierre a exécuté le portier de Grenade. Et voilà, l'équipe haïtienne mène par 3 buts à 0. Julio Mitty. Bon, nous avons dit que tout est presque fait. Mais il y a un débat qui est important. Pendant que nous avons dit que joueurs ou gens impatients, nous-mêmes nous impatients. Mais il y a un débat qui est important pour nous comprendre, c'est que l'équipe la Livine, je vous rappelle, j'ai le système. Livine joue 4-3-3 parce que l'IGT est net dans la bataille offensive là. Parce que l'IGT a au moins fait un goal pour l'alternou la Kaili. Pour que Haïti lui-même lui vienne observer pour être capable de contrecarrer ce nouveau système offensif. Voilà, attention, Tony Modeste qui sont bons, il est droit. Et le dégagement de Roosevelt Désir. Goldman n'est pas réussi à jouer ballon 1. C'est une très belle revanche de Goldman Pierre. Deux fois buteur. Porté à Bagoncel Petit. Le fly de Eric-Joseph Théodore. Donc, nous voyons ça. Porté à Bagoncel Petit. Goldman Pierre réalisé deux goals. Alors qu'il a été vraiment exagérément critiqué. On n'avait pas compris son jeu. La balle pour la poitrine de Isaac Chauvet. Isaac en retrait. Carlo Marcelin. Oui, en retrait pour Enzo Lorenz. Enzo Lorenz. Antoine Sétilus. Sétilus à gauche sur Chris Montelusma. En retrait encore. En retrait encore. En retrait encore. Oui, Antoine Sétilus à droite. Carlo Marcelin au contrôle là. Pas de facilité, s'il vous plaît. Pas de facilité, s'il vous plaît. Et Chris Montelusma reprend ballon. Hein. Poitrine de Chapoa. Chapoa. En retrait sur son portier. Contrôler ballon avant. Contrôler l'avant. L'y dégager. Le 16 petit. 3 à 0. Le score idéal. S'il était comme ça le bon. Mbappé Petit semble à papa. L'y déjà semble à papa pratiquement. Attention. La balle pour Anthony Modeste est sortie. Le terrain est très rapide. Et la balle sera jouée au 5 mètres 50. Et Toto Calixte fait toute bonne lampe chauffée là. Tous quatre joueurs de Chanlio a chauffé et Ligue Edouard a 3 changements. Thierry Osmond, Ricardo Champagne, Wilfried Montilas et Eddie César. Eddie César, Wilfried Montilas, Osmond Pierre et Ricardo Champagne. La tentative de déviation de Roosevelt Désir. Attention,
Moi sûr que pour la manifestation de joie de Roissy, équipe nationale, la conserve score ça. Attention, ballon pour Jason. Jason, le tacle de Enzo Lorenz qui arrive à conserver ballon. Roosevelt désire. Roosevelt désire. En avant, la déviation de Goldman Pierre qui ne réussit pas. Attention, Goldman. Non, la balle de Carlo Mancelin. Balle pour Gabriel Michel. Goldman Pierre, le contre est défavorable. Attention. Et le corner sera tiré de la gauche vers la droite avec Isaac Chauvet et Christophe Lotelusma. Carlo Mancelin, il va le mettre de pied. Non, le fait pas cela. David Chefel, attention, Isaac fait pas cela. Bien joué. Poitrine goal. Poitrine goal toujours. Dégagement de la défense. Enzo Lorenz, malgré une blessure insistante au genou, toujours présent dans l'équipe haïtienne. L'équipe haïtienne meurt par 3 buts à 0. Bien joué. Première entrée en Coupe du Monde. Bon boule. La balle pour Gabriel Michel. La déviation. Roosevelt désire. Bien joué. Roosevelt centré. Terrien pas obéissant. Fon Gonsatou. Et la balle pour Modeste. Et Patrick Modeste. Et balle joué par Enzo. Enzo Lorenz. Pas Castelli d'abord jeu. Pas grand jeu. Isaac. Goal. 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 Autogol. Autogol. Quatrième goal. Autogol. Autogol. De Patrick Modeste, 4 à 0. Alors là, nous gagnons le match. Andrew Monroe fait autogol là. Voilà donc l'équipe nationale qui gagne son match, qui obtient sa qualification. Bon, de ton côté, Nagui a commencé très bien. Il a commencé très bien joué dans la deuxième demi. Il a retourné en change en 4-4-2, en 4-4-3. Même quoi, l'équipe haïtienne reprend quand elle a commencé. Et actuellement, Isaac Chauvet montre que c'est un gros attaquant haïtien gagné. Et Godman Pierre, mon Godman Pierre, je l'aime ce bonhomme là. Voilà, 4 à 0. Nous qui avons perdu 3 à 0 jusqu'à présent. Dans le match retour là, nous qui avons perdu 3 à 0. Parce qu'il y a 4 goals, vraiment, normalement, l'équipe haïtienne a sa qualification en poche avec 4 à 0 face à une équipe aussi faible techniquement, mais extrêmement dangereuse du point de vue physique. La passe de Rousson Chevalier, Goldman Pierre, l'essai fait passe là pour Christophe Lotelusma. Balle perdue, la passe en avant, attention, oui, balle pour Enzo Lorenz, Enzo Lorenz, la déviation de Carlo Mancelin, Carlo Mancelin à nouveau de la tête, le dégagement en avant de Antoine Saint-Illus, Chris Mono Abgueta Joueli, oui l'Abgueta Joueli, l'Abgueta Joueli, dribble là-dedans, là le fait le habito, oui l'Abtan que, là le cherche corner là, la touche, il vient de touche là, Chris Ponor. Pour faire touche là pour l'équipe haïtienne. Nous jouons la 19e minute de jeu de cette deuxième mi-temps. Le set de Chris Ponor. Attention, déviation de la tête. Attention, pas grand jeu. Goal! Cinquième goal. Isaac Chauvet sur la déviation de Goldman Pierre. Sur la déviation de Goldman Pierre, Isaac Chauvet qui marque du même coup son 11e but pour la sélection nationale d'Haïti depuis qu'il a commencé sa carrière internationale. 5 à 0, décidément, nous a fait nous régler. Toto Calix aux anges souvent. Ça fait donc 5 goals. Les deux attaquants ont marqué. Et Isaac Chauvet, un but. Goldman Pierre, deux buts. Wilson Chevalier, un but. Et un autogol. Et c'est Andrew qui te fait. Attention, la balle de Modeste qui dribble vers l'intérieur. Faut que nous ne prenions pas un goal. Modeste, attention, la balle pour l'équipe grenadienne. Intervention de. Oui, je vais un coup de poing. Il a expulsé le match. Anthony Modeste. Il y a expulsé le match normal. Ça habite la fête là. Après habite la fête là, M. Katouja. Libéoa et Joseph Théodore prend choc là. Anthony Modeste, l'ailier droit. Habite la papa en carton jaune même. Et l'arbitre
a vu le geste. La Croix Rouge haïtienne qui a monté sous terrain pour soigner, pour retirer Eric Théodore avec Bancard là. Le 16 petit au dégagement. Longue balle. La balle pour Carlo Marcelin. Attention, Carlo moins rayonnant deuxième mi-temps qu'en première. Mais l'équipe marche bien. C'est ce qui importe. Puisque Nap mené par 5-0. Danger pour l'équipe haïtienne. Danger pour l'équipe haïtienne. Il ne faut pas encaisser de but. Même si nous menons par 5-0 et que nous voyons très et difficilement cette équipe nous marquer 6 buts. Attention, même si c'est à Saint-Georges. Et la reprise, tête quand il n'y a plus de conviction de cette équipe grenadienne. Il n'y a plus de conviction de cette équipe grenadienne. Alors, Julio Midi, des commentaires. On pense que c'est un bagage qui est très dangereux qui a été fait là, à mon avis, Pépé. Côté me joindre, jouer au Kounia, il senti que il a acquis le match là définitivement. Je n'ai pas même besoin de dire match là, même, il a passé le premier tour là, je n'ai pas dit. Mais quand on vient jouer, il vient tout dans les yeux. Côté il vient sentir fragile, tout le monde a pensé à jeudi, il faut me battre. Il faut me jouer le deuxième match là, mais scorer à Kounia n'est pas important. Je pense que c'est très important parce que si on regarde ce que tu as fait là, Haïti doit prendre la lentifiée sur ce que tu as fait là. Il faut qu'on ait 5-0-7. Nego gagne match à mais important pour nego pas prendre gol et puis pour nego pas procès. Comment c'est vrai que talent là, il suffit que tout le monde mette tête ensemble pour aller plus loin parce que nous avons une jeune équipe et sous garde jeune nego joué là, moi dit que il manque pas grand chose pour nous reprendre place non encore. C'était Jean-Claude Fonrose, monsieur c'est entraîneur équipe diaspora qui était rentré qui jouait contre sélection haïtienne dernièrement. La touche pour l'équipe grenadienne. Attention dans les 16 mètres. Et c'est Grenadien qui joue ballon. Hein. Donc pas de problème à ce niveau-là. C'est en remise en jeu au 5 mètres 50. Et voilà et le public capois qui entonne une chanson du Tropicana d'Haïti de l'Océan. Il passe tête quand Goldman Pierre a pris sa revanche hors jeu. Il s'était bien préparé pour le match. Il ne s'est pas contenté de faire un travail de sape et contre défense et grenadienne. Il a marqué deux goals. C'est une réponse claire et nette à toutes les critiques, fort souvent méchantes contre lui, qui étaient faites après match, notamment contre l'équipe diaspora. Habit a estimé que Carlo Marcelin fait ascenseur là et Libaye coup franc contre l'équipe haïtienne. Là. Ballon pour Patrick Modeste. Patrick Modeste dégagé.
Dégagement de la tête de Antoine Sétilus, homme de devoir par excellence. Carlo Marcelin charge et il fait faute là sur Carlo parce que il charge en l'air. Et c'est donc un coup franc en faveur de l'équipe nationale. Gabriel Michel et dans le trou, dans le dos des arrières grenadiens pour Roosevelt Désir. Et ballon en sorti, puisque joueur grenade là, joueur ballon en. Roosevelt quitte le sorti, on remise en touche en faveur de l'équipe nationale. La touche de Roosevelt en retrait pour Ernso Lorenz. Ernso pour Gabriel Michel, libre de tout marquage. Dans le trou pour Isaac Maquet. Non, Isaac Paguet est arrivé. Corne et remise en jeu au 5 mètres 50. Remise en jeu au 5 mètres 50. Et Antoine Sétilus fait tête là avec Jason pour attention le tir de l'équipe grenadienne avec Chris et ballon sorti en touche pour l'équipe nationale. Moi je crois que fort équipe nationale là t'a joué vraiment, nous pas joué assez là, nous pas joué. Faut que vous songez que faut prendre expérience, faut prendre habitude de jouer bien. Rispono Telusma en avant, Isaac Chauvet, bien joué. La passe de Gabriel Michel pour Roosevelt Désir, alors que Gabriel Tédoué conserve le ballon. Hein. Et maintenant, l'équipe grenadienne qui avait essayé de passer. Et Carlo Marcelin joue le ballon. Hein. La balle de Rispono. Marcelin pour Gabriel Michel Tigana. Gabriel Michel en position d'arrière droit, sa position idéale. Goldman Pierre fait appel là. Goldman peut essayer sur arrière. Arrière obligé, voyez ballon en touche. Et la touche pour l'équipe nationale d'Haïti. 5 buts à 0. Nous jouons la 28e minute de jeu de cette première mi-temps. Je vous rappelle, c'est peut-être tardif, que ce match vous est apporté par les cubes Maggi avec Wilson Chevalier et ballon sorti en corner. Le corner pour l'équipe nationale d'Haïti, évidemment. Avec cube Maggi, donc 5-0 pour la sélection nationale d'Haïti et on sponsoring du groupe Bidjo par l'intermédiaire de Savon Lovely et le Colaritz qui permettent donc sélection nationale là a gagné 5 goals à 0 là jusqu'à présent. Goal! Isaac Chauvet! Goal! Isaac Chauvet! Et goal en déviation de Isaac Chauvet sur le corner de Chris Bonon Telusma. 6 goals à 0, il faut le faire. Et Toto Calix va procéder à 3 changements. 6-0. Isaac Chauvet marqué en belle déviation. L'équipe grenadienne totalement dépassée par les événements. Deux changements pour le fait là. Rosemont Pierre pour l'entrée. De même que Wilfried Montilas qui sortent. Ricardo Champagne aussi. Carlo Marcelin a sorti. Gabriel Michel a sorti tout. Et Wilson Chevalier a sorti. Rosemont Pierre, Ricardo Champagne et Wilfried Montilas. 30e minute de jeu, 3 changements. Montilas joue ballon 1, Montilas à nouveau, Montilas à droite pour Rosemont Pierre.
Rosemont, qu'on savait pour lui. Ricardo passe dans le dos là. Ricardo passe dans le dos là. Il va jouer avec Ricardo. Il fait dribble dedans. La passe pour Montilas. Montilas, Crismondo. Crismondo centré. Le centre tire. Mais ballon était trop devant lui. Et c'est donc ballon allé dans le décor. On remise en jeu au 5 mètres 50 qui peut le faire. Ricardo Champagne, qui était ballon en passé, s'est-il sauté, il va arriver au ballon, l'aigle a bien couvert le ballon, habite là-bas, il couvre contre nous, et couvre dans les 35 mètres, couvre dans les 35 mètres, le 16 petit au but, et Goldman Pierre retourne pour lui faire mieux là. Heureusement, pas de droit vite dans le mur. Heureusement, c'est seulement 1m65. Heureusement, 3 bas pour le vite dans le mur. Chris Pralfelli, l'Allocan et le CS sans problème. Capté ballon. Vous faites le désir. Il y a coup franc en faveur de l'équipe nationale. Et la balle pour Eric Joseph Théodore. La balle de Ousvel, Enzo Lorenz à partir de la passe de Ousmane Pierre. Bien joué. Ousvel Désir, c'est ça que Mando fait. Voilà. Elle mettait de pied. Elle mettait de pied. Il mettait de pied. Mais de pied, pas bon. Montilas, Wilfried Montilas. C'est une âme favori. C'est une grosse âme qu'il gagne, Wilfried Montilas. Et la balle pour l'équipe grenadienne. Longue balle de l'axe. Balle la manquée et battée. Enzo Lorenz. La tête de Wilfried Montilas pour Ousvel Désir. Fait la passe à 10. Qui peut ballon fait 10 passes. Et Enzo Lorenz. Enzo Lorenz. Oui, Ricardo Champagne. Ricardo Champagne. Et Enzo Lorenz. Enzo Lorenz en avant sur Rosemont Pierre. Rosemont Pierre, conservé Boulan. Rosemont, la balle pour Goldman Pierre. Goldman dribblé, l'iraté dribble, intervention de Patrick Modeste et la passe en avant, la déviation avec l'autre Modeste là. Et c'était Anthony qui était baillé et Patrick Lee, la balle en avant, attention. Et pour l'équipe grenadienne, attention. Et Chris Ponor joue ballon. Hein. Chris Ponor, la passe pour Montilas. Montilas conservé. Montilas en avant pour Chris Ponor Telusma. Balle un peu trop profonde. Chris Ponor feinté, contrôle là. Et arrière, après la feinte là. Et c'est donc, comme Chris Ponor pas joue ballon, hein. C'est en remise à touche. Passe Montilas à tête trop longue. C'est en remise à touche en faveur de l'équipe grenadienne. Goldman Pierre toujours présent. Goldman en retrait pour Rosemont. Rosemont Pierre. Rosemont n'a pas réussi à passer là. Ousvel Désir n'a pas réussi à jouer ballon. C'est l'équipe grenadienne là. Avec Andrew et qui joue ballon en retrait. Possibilité de passe à droite. Qui conservait pour la balle de Patrick Modeste. Patrick Modeste jouait à droite. Mauvais contrôle. Et Chris Ponor dérangé dans la cheville. Et nous faisons trois changements nous déjà. Et le centre. Et Antoine Sétilus dégagé. Et la balle sort en touche. La touche pour l'équipe. Pour l'équipe grenadienne. Chris Ponor à terre. Extrêmement fragile à la cheville. La balle pour Goldman Pierre qui fait une longue balle
pour Isaac Chauvet qui mettait ballon en touche parce que Chris Pounor pas de capable, Chris Pounor était malade. Et il fait passe là, il fait touche là pour l'équipe gonadienne. Montilas pas quitté le passé. Montilas fait faute, non, c'est gonadien qui fait faute. Nous croyons que l'équipe haïtienne finalement, lui mange toute graine qui est dans Gonade là. Pas gagné encore. Et pour nous parler de Tizanavel. 6-0 en faveur de l'équipe d'Haïti. Il fallait le faire. Il l'a fait. Voilà, 6-0 pour les Dominicains, 6-0 pour les Grenadiens. Et Julio Midi fait comprendre que faut y aller la Romana à joindre les Dominicains à la Romane. Alors, 36e minute de jeu. Gain Andrew. Balancer ballon en avant. Et la balle de Eric Théodore. Et Enzo Lorenz. Enzo Lorenz n'a pas réussi à faire passe là bien. Et la balle sort en touche. Habite la balle faute contre Ousmane. Le coup franc de la gauche vers la droite. Palomanes, non, il dégage, il est très bien. Et le CS, le dégagement de Roosevelt Désir après son contrôle de l'extérieur du pied droit. Le corner de la gauche vers la droite. Avec un droitier. L'équipe haïtienne mène par 6-0. Tout le monde raté. Coup de tête là. Ballon sorti. Dans la limite terrain. Hein. C'est donc en remise en jeu au 5m50. Remise en jeu au 5m50. Goldman Pierre, Dominique et Grenadier au jeu ballon. 39e minute de jeu. Et la balle pour les Grenadiens, Joseph et de la poitrine. Très intelligent. Et Théodore fait passer en retrait pour goalkeeper. Chris Bonneau voit le ballon en pile loin la caille. L'équipe ne joue plus. Pour l'équipe la plus constante, longue balle en avant. La passe en retrait de Roosevelt Désir pour le 16 petit. Le 16 petit au dégagement sur Isaac Chauvet. La tentative de déviation de Isaac. Ballon sorti en touche. 6-0. Et la balle de Goldman Pierre. Goldman Pierre. Faute contre Haïti. Et voilà encore une fois, c'est même bagaille qui est arrivé contre la République Dominicaine. Contre l'équipe République Dominicaine. Non? Équipe l'a plagué, l'équipe l'a pas voulu jouer encore. Or, il faut vous habituer à jouer bien pendant 90 minutes. Leur en difficulté qui sont faits.
corner en faveur, pardon, en coup franc en faveur de l'équipe grenadienne. Goal. Voilà. Folte arrivé. Anthony Modeste, Patrick Modeste. Patrick Modeste réussit. Coup de tête là. 6 à 1. Pas de besoin d'un goal. Le même problème pour l'équipe haïtienne. Même problème qui était gagné face à la République dominicaine. Là. Ils ont recommencé là encore. On ne peut pas accepter ça. Goldman Pierre pour Isaac Chauvet. Isaac pour Ricardo Champagne. Ricardo Champagne, Roosevelt Désir. Roosevelt Désir, Gabi Sétilus. Gabi Sétilus, Ricardo Champagne. Mettez ballon à terre. Ballon pas doué à l'enlève. Ricardo Champagne perd du ballon. La balle de Modeste. Et il s'avance. Attention, Modeste à nouveau. Ricardo Champagne joue ballon. Ballon pour. Aïe. Non, nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne pouvons pas l'accepter. Goldman Pierre raté contre là encore. Alors, Yokunia, il y a trop l'argent à faire trop bon. Ballon pour Ricardo Champagne. La passe à droite. Passe là un peu trop courte, mais il réussit quand même. Et Roosevelt Désir pour Ricardo Champagne. Et passe là pas bon. Ricardo pas capable de jouer lui. La balle est jouée par l'autre modeste là, Anthony. Et 2 contre 1. Monsieur est obligé de mettre le ballon en touche. La touche pour l'équipe haïtienne. Et 42e minute de jeu. Ballon pour Wilfried Montilas. Mettez la tête vite. Montilas pour Champagne. Champagne centre avec extérieur, pied droit lui. Non, faute semelle. Dégagement de tête de Saint-Ilus avec un ballon pour Modeste. Et Patrick Modeste, sans doute le meilleur joueur de cette équipe grenadienne. Et Chris Ponor, Télus Paté, bien l'y passe là. Chris Ponor, pour ce ballon en avant pour Ricardo Champagne. Ricardo Champagne, Enzo Lorenz. Enzo Lorenz pour Isaac Chauvet, extérieur pied droite. Excellente passe pour Rosemont Pierre. Rosemont Pierre, bon temps, il dribble Michel à longtemps. Li bon souli, li fait cette lan. Goal, non. Isaac pas fait goal là. Avec une très bonne accélération de Rosemont Pierre. Et en deux fois, Isaac a eu possibilité pour le faire 13e goal li dans la sélection nationale là. Ballon a passé tête quand. Toujours 6 à 1 en faveur de l'équipe nationale. 43e minute de jeu. Enzo Lorenz fait coup de tête là. Et la balle pour Chris Ponor Telusma. Quand on prend là, Chris Ponor. Quand on prend là. Jésus. Ça vous me dit encore. La balle en avant. Et c'est équipe Grenade là qui joue ballon hein, avec milieu droit lui. Attention, du Conseville, il fait passe là avec Modeste. Modeste conservé boule là. Et c'était Jason qui fait passe là. Modeste conservé, bon joueur football. Il a joué lui-même. La passe à gauche de l'axe. Intervention de Eric Théodore. Monsieur Voué ballon en bas nous. Merci beaucoup pour le cadeau. Même si nous pas en mois de décembre. 5m50. Oui, mise en jeu au 5m50 avec le 16 petit. Quand c'est qu'il y a une minute de jeu, match fini, arbitre américain. Hein? Steve Olsen, qui gagne un nom scandinave, avec un prénom nord-américain évidemment. Steve Olsen mettait fin à match-là. 6 à 1,
nous prenons goal, nous estimons que l'équipe là était trop faible pour le tirer nos goal. Mais entendons-nous, ça va plus mal que ça. 6 goals à 1, c'est pas tous les jours que ça fait. Et très belle victoire de l'équipe nationale. Ce qu'on doit retenir, c'est que l'équipe là remplit contre Ali, il pourra jouer normalement dans le deuxième tour.